Ma belle, donc hier tu m'as laissé t'attendre juste pour rien, n'est-ce pas? Oh, désolée ma chère, la fille était venue hier après. Et alors? Est-ce qu'on peut le faire demain? Un rendez-vous? Oui, je te dis plus après. Je te vois plus tard. Désolé, c'est juste qu'un de ces moments... En ce moment, ton attention est chez la plus belle femme, même celle qui est assise devant toi. Non, mais c'est ta beauté qui affecte pleinement toute ma vie. Olodou. Ouais. Alors, laquelle parmi elles? Celle qui est en blanc. Et tu sens que ça va aller avec elle? Ouais. C'est quoi, non? C'est juste que je comptais un peu me rapprocher. Je ne veux pas jouer cette carte pour non, toi. Non, non, ce n'est pas que je veux que tu aies joué pour moi la carte. Alors? Je veux juste que tu m'aides à faire deux ou trois choses. Je veux juste que tu m'aides à me prendre le numéro de la cible, s'il te plaît. Pas de problème, c'est accordé. Salut les belles filles. Salut. Désolée, j'avoue que j'ai vraiment aimé ton accoutrement. Oh, merci. Je suis designer. Oh, c'est vrai? Peux-tu aussi m'apprendre quelque chose? Oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est Lara. Emily. Debbie. Est-ce que je peux? Oui, tu peux, pas de problème. Tiens ça pour moi, s'il te plaît. J'aime tes cheveux. Merci. Que faites-vous ici, les filles? Bonjour. Bonjour, monsieur. S'il te plaît, j'espère que tu puisses m'aider avec quelques informations des dames que j'avais vues hier. Oh, je suis désolé, je n'ai aucune information à propos d'hier. Question de demander aux garçons qui étaient là hier, ils pourront vous aider. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Une simple tâche n'a pas pu faire. Monsieur, est-ce pas toi qui m'avais demandé de jouer cette carte pour toi? Nous nous étions promis de le faire dans les 4 heures, non? Alors, qu'est-ce que t'as pour moi? Ta cible semble être une des meilleures femmes planificateurs d'événements. C'est parfait. Elle travaille dans les événementiels du gouvernement. Voilà pourquoi elle était dans ce restaurant la nuit dernière. Je crois que je sais quoi faire. Très vite! Mais tu viens de faire quelque chose qui fait briller la lumière, non? Hein? Tu sais, merci. Mon frère, merci, hein?
Tu sais, j'étais en train de réfléchir. Peut-être qu'on doit laisser quelqu'un entrer dans notre amitié. Tu as dit presque la même chose qui me passe par l'esprit, toi. Tu sais, c'est concernant les événements que j'organise. Je ne sais même pas de quel événement il s'agit. Ma belle. Ah non. Essayes-tu de m'appeler passé? Oui, franchement, puisque je ne te comprends pas. Tu sais que je ne peux pas le faire. Bien. Je peux me laisser faire, puisque je tiens toujours à mes racines. As-tu des nouvelles de Lara? Oui, je l'ai. C'est mieux de m'avoir demandé. Parce que je suis supposée raconter quelqu'un aujourd'hui. Okay. Elle a dit que c'était son frère, quelque chose, je ne sais pas. Son frère? Espérons qu'il soit aussi intéressant comme Lara. Je le pense aussi, je ne sais pas. Tu sais, elle a l'air d'une bonne personne. Oui, tu sais, nous nous sommes connus il y a qu'un mois, mais c'est comme si on se connaissait depuis. Oh. Elle est une merveilleuse créature. Ok, bien. Pourquoi il veut te voir? Je pense qu'il essaie d'organiser un événement et il veut que je m'en charge. Oh non, je vais le découvrir aujourd'hui. J'aime le business. Ok, tu l'as dit. c'est son problème. Oh. Salut. Salut, c'est Emily. Oui, moi également. Content de te rencontrer. Merci. S'il te plaît. Ok. Oui, mettez-vous. C'est bon. Alors, es-tu toujours en retard lors de rendez-vous? Il est juste 15 minutes passé chaque client. S'il te plaît, pardonne mon orgueil. C'est bon. Tu t'es habillée comme si tu venais à un rencard. Et toi aussi, tu t'es habillée pareil. Parlons du business. Une minute. Que préférerais-tu prendre? Je pense que je prendrais la même chose que toi. Serveur? Oui, monsieur. Oh, mec, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Rien, c'est juste que... Ben voyons, tu es en train de transpirer, tu le sais, mec. Ah, je suis là pour toi, mec. Vas-y, raconte-moi. C'est juste que... J'ai rencontré une dame il y a quelques jours passés et je ne parviens plus à la sortir de ma tête. Pourquoi est-ce que tu ris? Mec, tu me fais rire. Tu regardes ce que tu racontes. Alors, dis-moi un peu, comment tu vas t'y prendre? Tu vas la laisser travailler ou tu vas gérer avec elle? J'ai déjà joué à la balle et j'espère que ce soit un but. Tu devrais être patient. Pour que cet homme ne te revienne plus. Thank you.
Bonjour. Ok, et combien est ma facture? Désolée madame, quelqu'un a déjà payé pour ça. As-tu déjà reçu l'argent? Mais je suis là toute seule. Oui madame, comme je venais de le dire tout à l'heure, quelqu'un a déjà payé pour ça. Et ça a été enregistré. Ah, désolée, est-ce que cette personne t'a dit... Je ne le connais pas. Prenez, merci. Madame. Voici votre facture. Attendez, et ça aussi. Ça vient d'où? C'est la même personne qui a payé pour ça. Merci. Merci, passez une bonne journée. Ah, oui. Alors, tu sais que c'est notre dernière rencontre, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que le moment viendra. Apparemment, tu es d'accord avec tout ce que je dis, n'est-ce pas? Est-ce que ça ne te dérange pas de ne pas participer à l'événement que tu as planifié? Je l'apprécierais vraiment, mais je dois aussi écouter mon corps. Je dois me reposer juste un peu. Bien, je pensais qu'on pouvait faire avec la fête. Oh, tu peux te reposer. Et tu peux aussi faire des exercices. Tu peux aussi essayer de pratiquer des exercices... des méditations pour ton esprit. Ça va vraiment aider. Maintenant, tu parles comme une thérapie. Vraiment. Non. C'est ce que tu fais tout le jour et je ne regrette pas vraiment de ça. Je ne suis pas ce genre de personne, donc je travaille tous les jours. Déjà, je travaille vraiment tous les jours. J'ai aussi entendu parler d'attirer l'attention, mais je ne l'ai jamais essayé. Que dis-tu que toi et moi allions dans la salle de gym pratiquer la méditation ensemble? Ça a l'air drôle. J'y pense bien. La prochaine fois, tu viendras me récupérer et venir me déposer. C'est comme tu veux. C'est ce que je veux. Ok. Tu peux prendre tout ton temps pour choisir ce que tu veux, hein? En vrai, je ne trouve pas ce que je cherche. Alors, laisse-moi t'aider. Oui. Peut-être. Juste dis-moi exactement ce que tu veux. Peut-être que tu dois me montrer la direction de vos meilleures collections. Ok, pas de problème. J'égare ici. Attendez-moi ici, je vais à l'intérieur, je reviens. Ok, d'accord. Ok, je viendrai avec, t'inquiète pas. D'accord? Dès que je serai dérangée, tu me verras à tes côtés. Pas grave, ça va. C'est bon, ne traîne pas. Hein?
Tu sais, c'est ici où nous nous sommes rencontrés. Toi et Amy? Oui. Elle était venue récupérer un paquet qui lui était envoyé pour son anniversaire. Okay. Et moi aussi, j'étais là pour envoyer un colis à mon frère. Mm. Et tu sais, ces jours-là, l'atmosphère était juste clean. Du coup, nous nous sommes enchantés, on a commencé à parler. Et après, elle m'a invitée à son anniversaire. Oh, c'était quand ça? Je veux dire l'anniversaire. C'était au mois de novembre. Oh, vraiment? Des mois passés. Oh, c'est à peine. Babe, je ne veux pas traîner, n'est-ce pas? Alors les filles, vous parlez déjà de quoi? Je suis en train de lui dire comment nous nous sommes rencontrées ici. Oh, d'accord. Tu n'es qu'une commère, Claire. Vraiment. Je n'arrive plus. C'est comme si tu es déjà fatiguée. Ah oui. Je ne fais pas trop du sport, ça peut être une raison. Oui, ça dépend. Écoute, pas trop d'attention aujourd'hui, ok? Je ne vais surtout pas pour ce matin. Je me sens vraiment trop vide en ce moment. J'ai pensé qu'on pouvait même le faire le soir. Ça marche? Je ne sais pas, peut-être. Bye. Est-ce que je t'ai déjà dit que tu as une autre fête à planifier? Oui. Pour une amie très particulière. Ok, apparemment tu es fan de fête. S'il te plaît, dis-moi quand tu le feras. Pourquoi pas? Tu me donnes l'argent que je veux et j'ai fait mon travail. Donne-moi alors, t'en prie. D'accord. Mais avant que je fasse cela, j'aimerais bien te poser une question. Rien de si sérieux. Aide-moi à préparer la fête pour que cela soit meilleur pour toi. D'accord alors. Ok, je serai face à quel genre de fête? Une fête d'anniversaire. Ok. Il y aura une autre activité pacifique? Non, c'est juste quelque chose de bon. Je veux que les gens passent du bon moment. Alors, tu sais comment gérer tout ça. Merci. Mais as-tu un résultat particulier que tu aimeras voir après la fête? Je serai en mesure de répondre à cette question à la fin de la fête. Ouais. Très bon choix. Mm-hmm. Et cette personne spéciale? Penses-tu qu'elle aimera une fête un peu compliquée ou une simple fête? Quelque chose dans le milieu. Ok, alors c'est quoi ta relation avec cette amie? Elle est une personne particulière. Une personne très 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 spéciale. Ok, alors quelle est sa couleur préférée? Ok, c'est difficile pour toi, tu n'as jamais été attentionné à la fête. Le rouge. Elle aime le rouge. Waouh, tu es un homme génial. Tu m'impressionnes. C'est vrai. C'est parfait. Je t'appelle plus tard, ok? D'accord. D'accord. Mm. Comme je l'avais dit, n'essaye pas d'être parfaite. Alors, relax, focalise-toi sur ton souffle. Aspire énormément d'air et respire doucement. Maintenant, ferme tes yeux. Et focalise-toi sur ton souffle. C'est bon. Est-ce possible que tes pensées commencent à couler et que tu essaies de prendre l'une après l'autre et que tu fasses ta méditation? Focalise-toi sur des objets particuliers. Cette fois. Et respire. Aspire. Respire.
Aspire. Respire. Lara, hey, Dieu, ton frère a un plan machiavélique. Non, ce gars est tellement romantique. Ce n'est pas seulement à toi, il le fait aussi à moi. Lara, comment? C'est comme si tu étais si à l'aise avec lui. C'est incroyable, mais je ne vais pas le décevoir, spécialement avec sa nourriture. Les filles, en ce qui me concerne, j'aurais souhaité que nous puissions bien fixer notre goût en faisant une commande de repas africain, précisément celui de Igbo. Boire intervenant après. Qu'est-ce que tu dis? Écoutez-moi celle-ci. Hey, moi, je vais bien profiter de ma commande. Si c'est possible, nous pourrons le faire accompagner des différentes sortes de soupes. Non, s'il te plaît, écoute, non seulement sao, et amala, et des bas. Vous savez, cette diversité des soupes venant de différents pays, mais au fond, dans le goût, ce n'est pas vraiment du tout différent. Ah oui, avec des petits trucs à l'intérieur. Oh mon Dieu. Même la viande, faite par les Yoruba. Êtes-vous déjà allé à la fête des Yoruba? Les morceaux de viande sont très grands, juste comme votre tête. Ils en mettent tellement assez sur leur menu. Vous verrez, il y aura des jambons, des très très bons morceaux. Si nous mettons ces petites choses à l'intérieur, je te dis, la viande sera tellement savoureuse que tu n'auras pas l'idée. Je pense que c'est vraiment une bonne idée, très bonne idée. Il est vraiment compliqué. Vous savez, c'est vraiment un grand buveur. Mais on ne peut pas les décevoir, surtout côté alcool. Là même, ce n'est pas un problème. Je crois que nous ferons le mélange de boissons traditionnelles avec aussi des boissons modernes. Oui, nous devons mixer le vin avec nos bières locales. Alors là, nous aurons des bières, des vins, des jus pour nous qui ne prenons pas l'alcool. Hein? Oh oui, je suis comme toi, très fauché. Ok, je ne vais pas me tout laisse-moi le voir. Ok, c'est génial, c'est une bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. Okay. Ok, c'est bon. Et Salut chérie. C'est comment? Tu travailles toujours? Ok, j'étais en train de réfléchir. J'étais en train de réfléchir sur mon 30e anniversaire. Et j'étais en train de penser si on pourrait le passer ensemble, tous les deux. Pas la famille, non plus des amis, juste nous deux. Qu'est-ce que t'en dis? C'est une très bonne chose. Ok, et alors? Et chérie, est-ce qu'on peut en parler après, s'il te plaît? D'accord. C'est pas grave, pas de problème. S'il te plaît, chérie, ne sois pas comme ça, on en parlera après. John? Madame, bonjour. Oui, bonjour. Madame, un certain monsieur m'a remis ses sacs. Qui? Il ne m'a pas donné son nom, il m'a juste dit de vous dire joyeux anniversaire. Il y a quoi dedans? Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas, j'ai... Je n'ai pas vérifié. Est-ce que je peux l'avoir? Merci. John? Madame? Tu peux me faire un truc pour manger? Tout ce que tu voudras me préparer. D'accord, madame. Merci. Madame? Oui? Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Ok, qu'est-ce que c'est? Ok.
Alors, oh mon Dieu. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Oui, je l'ai vu juste à mon entrée. Ok, je vais le chercher. Restez-vous deux, moi je vais à sa recherche. Es-tu en train de jouer au Joker? C'est ce que je veux maintenant. Bye. Te voilà. Oh. C'est comment? Devez-vous être là depuis l'après-midi? Depuis que l'organisatrice de la fête n'est pas encore arrivée. Non, je vais bien. C'est comme si nous ne réfléchissions pas tous les deux de la même façon. Je sais comment tu te sens parce qu'Emily n'est pas là, mais je crois qu'elle a ses propres raisons. Alors comme c'est arrivé ainsi, je pense que vous les ferez prochainement, hein? Ok? Emily! Salut, comment tu vas? Je veux bien maintenant. Hey, merci beaucoup.
Ça va être chaud aujourd'hui. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Merci. Comme vous le savez, nous ne pouvons décider avec qui nous nous rencontrons tout le long de la vie. Des fois, ils viennent vers nous et des fois, nous allons vers eux. Mais toujours, nous choisissons ceux qui vont rester. Et comme un sage qui m'a une fois dit, c'est meilleur de choisir ce qui nous apporte de la joie et le bonheur de rester dans notre vie. Et nous voilà ce soir en train de célébrer une personne très très particulière, une très bonne amie, quelqu'un qui y a apporté de la joie et le bonheur. Raison d'être ici. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, veuillez accueillir celle que nous célébrons. Emily! Joyeux anniversaire, Emily. Oh, viens, viens, viens. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, ma chérie. C'est quoi le problème? C'est moi qui devrais te demander qui signifie tout ça. Je sais que j'étais surprise. Non, mais... tu ne m'as pas surpris. Tu m'as juste embarrassée. J'étais embarrassée? Comment? Écoute, je suis une femme mariée. Comment tu peux organiser une fête pour moi sans toutefois me le dire? Et tu sais quoi? Cette conversation n'est pas encore finie, je te le promets. Oh, mec, c'est quoi le problème? Tu n'es pas de bonne humeur. Non, tout va bien. C'est juste une petite information que... j'espère que j'avais reçue autrefois. Oh, mais qu'est-ce que cela signifie? Elle est... c'est comme si elle est dérangée, c'est pourquoi elle est partie. Ok, alors je dois déjà vous laisser. Je vais m'occuper des autres là-bas, d'accord? Tu m'avais pas dit que c'était ça ton plan. Je crois que le travail donné et ta récente relation peuvent peut-être compromettre certaines informations confidentielles. Tu dois payer pour m'avoir gardé dans le noir. Regarde ce que tu as fait. Je dois quand même te récompenser. Mm-hmm. Je sais comment avoir tout ce que je demande. Je le sais, allons-y alors. Partons attends, d'ici. Je vais te rejoindre. Partons, je vais te rejoindre. S'il te plaît. Allons dans la fête, s'il te plaît. Avance. Mais attends. Allons. Showed to me what life could be when one is loved. I gave my heart totally. That's what you do when you meet the special one. And it's crushing me. My heart is true.
Très heureux de te voir ici, maman. Oui, comment tu vas, Kola? Oui. Et où est passé Yemi? Désolée, madame, Yemi est sorti avec ses amis. Je ne sais pas où ils sont partis. Il ne s'agit pas de sa voiture là-bas? Oui, c'est ça. Ses amis étaient venus le chercher. Parfait. Oui, il est dans les environs. Que je l'appelle? Bien, je vais m'aimerais la voir, s'il te plaît. D'accord. Salut, ma chérie. Je suis venue voir Yemi. Où il est passé? Oui, il est sorti avec son ami. Ah. Tu sais, j'étais en train de réfléchir ou savoir qui a dit à Yemi à propos de mon anniversaire. Et il a aussi l'audace de m'organiser une fête. Tu sais ce que ça veut dire? Eh, mais je ne comprends pas. Toi, Lara, tu dois bien le comprendre. Bien, peux-tu te calmer et entrer à la maison? Je ne suis pas ici pour entrer. S'il te plaît. Tu dois bien m'écouter, Lara. Peu importe la relation qu'on a traitée toutes les deux, toi et ton frère, vous n'avez aucun droit de m'organiser une fête. Peux-tu arrêter et me dire ce qui se passe ici? S'il te plaît, donne-moi une idée. Laisse-moi être claire avec toi maintenant. Je suis vraiment déçue de toi. Vous, est-ce que vous n'essayez pas de ruiner mon mariage? C'est ce que vous essayez de faire? Ok, ne vous inquiétez pas, je sais quoi faire. Tu es mariée? Oh, s'il te plaît. Elle est mariée. Et on m'avait dit que tu étais passée à la maison pour me voir. Malheureusement, je n'étais pas là. Je n'étais pas venue chez toi pour te voir, Rémi. J'étais là pour parler de la fête. Mais essayons de ne pas parler de ça, s'il te plaît. Ne parlons pas vraiment. La seule raison qui m'avait poussée d'être dans cette fête, c'est à cause de mon ami. Et non pour faire des choses avec toi. Mais ce que tu avais fait, c'était vraiment mauvais. Je suis désolée, Émilie. Ce n'est pas ce que je... Tu veux que je fasse quoi, Émilie? T'ai-je déjà dit que je n'ai jamais été heureuse et que tu voulais me rendre heureuse? L'ai-je fait? Émilie, je ne voulais non plus que tu te sentes mal. Tout ce que j'avais fait, je l'avais fait de bonne intention. Au moins, tu allais d'abord demander mon consentement. Avant que tu m'embarrasses comme ça. Tu as été audacieux, je veux dire. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais je suis mariée. Et cela peut être mauvais dans plusieurs manières que tu ne peux pas imaginer. Cela n'était pas nécessaire. Émilie, je ne savais pas que tu étais mariée. Si tel était le cas, on n'aurait pas cette conversation. C'est la seule raison qu'on a cette conversation. Sinon, ça n'allait pas être comme ça, n'est-ce pas? Je m'en quoi dire. Tu sais, tu peux encore le faire plus tard. Je te donne la permission. Tu sais quoi? Je dois travailler. Parlons de tout ceci plus tard. Es-tu déjà occupée? Bien sûr. John. Madame, bonjour. Bonjour, d'où vient tout ceci? C'est un frère qui m'a demandé de vous donner. Un frère qui? Mais je lui avais demandé mais il ne m'a pas donné. Il m'a juste dit de vous remettre ça. John, pourquoi tu es habitué à prendre les choses sur les gens sans toutefois connaître leur nom? Je lui avais demandé son nom, mais il ne m'a pas donné. Il m'a dit juste que je vienne vous remettre ça. Désolée, madame, désolée. Madame, la fleur vous va où? Désolée. Je sais que tu aimes cette fille, Yemi, mais tu dois arrêter. Elle est mariée. Calme-toi, non? Pourquoi parles-tu comme si j'ai commis une erreur? Je sais que rien n'est arrivé entre vous et je ne le souhaite même pas. Alors tu dois arrêter tout ça pour que cette fille ne puisse pas tomber sur tes charmes, s'il te plaît. C'est comme ça que tu tombes amoureux de moi? Sérieusement, Yemi, tu es très têtu. Écoute, je ne peux pas nier le fait que je ressens quelque chose pour elle. Elle est mariée, et ça je le comprends, je ne peux qu'être son amie et rien d'autre. Mais je crois que des choses bizarres se passent dans son mariage. Ce n'est pas à toi de décider. Son mariage et son bonheur n'est pas du tout ton problème. Vraiment? Oui. Tout ce que je vais dire, c'est que elle mérite d'être heureuse et je veux qu'elle soit heureuse. Je ne veux pas prendre la place de son mari ou quoi que ce soit. Je veux juste être un ami.
Arrête de me regarder comme ça, viens, va faire cette nourriture s'il te plaît. J'ai vraiment faim. C'est toi encore. Mon frère, bonjour. Oui, bonjour. Qui a parqué cette voiture-là? C'est moi. Donc c'est juste là que tu dois parquer ta voiture? Si ma madame ou mon patron veulent entrer ou peut-être sortir, que vont-ils faire? Ils crient pour rien. Ils disent du n'importe quoi. Je suis désolé, je veux juste remettre ceci à ta patronne. Je ne les prendrai pas, ces cadeaux. Je ne les prendrai pas. Et pourquoi? Ma patronne a dit ceci. Tout ce que je ne connais pas, ou celui que je ne connais pas, que je ne prenne rien de celui-ci. Ah oui, je comprends, c'est juste un cadeau. Remets-le-lui, elle comprendra d'où est-ce qu'il vient. Ça vient de qui? C'est qui celui qui envoie tout ça? Ça vient de Tommy, elle comprendra de qui il s'agit. Yomi, est-ce que c'est ton nom ou bien celui de ton boss? Mon boss. Donc depuis tout ce temps, c'est lui qui fait tout ça, n'est-ce pas? John? C'est qui à la porte? Madame, c'est ce monsieur qui vient à chaque fois dans votre parcelle déposer tout ça. John, s'il te plaît, laisse-la entrer. Madame, il dit qu'il ne va pas entrer. Il est juste venu déposer partout. J'ai dit, laisse-lui entrer. Ok. Thomas va lui donner, non? J'ai pensé qu'il avait emmené du pain. Et regardez-moi ce qu'il a. Bon après-midi, madame. Comment tu vas, Colas? Je vais bien, madame. Je suis vraiment désolée pour tout. Il ne te connaît pas vraiment. Et je comprends. C'est ce qui prouve qu'il fait son travail. Et j'ai quelque chose pour vous. Ah, s'il te plaît, viens à l'intérieur. J'ai aussi quelque chose à te donner. Ok, bienvenue chez moi. Prends place. Je te reviens bientôt. Merci beaucoup, mais j'ai d'autres courses à faire. Oui, je te comprends très bien, mais tu dois me te reposer un tout petit peu. Au moment où je te prends les cadeaux. Ok. Merci. Sens-toi à l'aise. Et voilà, je suis là. Cola, dis à ton boss de l'ouvrir. Il saura ce qu'il y a à l'intérieur. Je dois maintenant partir. D'accord, merci. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Toi aussi, merci. Bye. Ok. Alors, tu as déjà eu ce que tu voulais? Bien. Ça dépend de ce que je veux. Ce que je veux maintenant, c'est que tu manges. Et toi, tu ne veux pas manger? Bien. Faudrait que tu te mettes là et que tu me regardes manger. C'est trop demandé pour un gentilhomme. Non, pas vraiment. J'attendais juste que tu invoques... Une femme puissante. Exactement. Alors, dis-moi. Comment as-tu fait pour savoir que ma couleur préférée était la blanche? On s'était juste vu pour une seule fois avant que je te pose cette question. Tu n'as pas apporté tout le temps une même couleur pour que l'on sache ta couleur. Deux fois, elle est juste en arrière. Et même lorsque tu mets d'autres couleurs, ça ne peut que ressortir. Je me suis suggéré de dire quelle couleur va avec toi lorsque je me posais des questions. Donc c'est le rouge. Pardonne-moi peut-être, mais je suis un homme qui veille sur le détail. Tu connais trop de choses sur moi, mais je ne connais rien à propos de toi. Je suis Yomi. Je suis un livre ouvert. Alors tu peux essayer d'aller dans toutes les pages du livre que tu veux et comme ça tu trouveras tous les détails que tu veux savoir sur moi. D'accord. Alors dis-moi, tu es aussi pareil avec ta femme ou juste avec moi? J'aime en tout cas très bien traiter les dames. Mais je sais aussi qu'une femme particulière mérite une attention particulière. Mmh.
dit que nous avons un temps très limité pour fonctionner sur cet appareil. Autrement, nous devons chercher notre appareil plus sophistiqué pour la compagnie. D'accord, oui. Vous ne devriez pas attendre aussi longtemps pour m'appeler afin de me dire comment les choses se passent. Comme je l'ai dit avant, j'ai du poids sur moi. Je crois que je serai là demain matin. S'il vous plaît, nous sommes désolés pour cet inconvénient que cela peut vous causer. Nous espérons vous voir d'ici demain. D'accord. Demandez juste à votre IT personnel de m'appeler. Comme ça, nous allons discuter d'une manière qui permettra de protéger certaines informations. Dites-leur juste de ne faire aucun système ou de télécharger quoi que ce soit. Je veux vraiment parler avec lui afin de trouver une solution et m'assurer que les informations sont confidentielles. Et c'est là avant que je ne vienne tout réparer demain. Demandez juste à votre chef du IT de m'appeler. D'accord, oui. C'est bon. Oui. Allô? Louis et Brie, la lumière du soleil. Tu fais toujours tout pour me réveiller. C'est juste un appel et tu pouvais l'ignorer? Alors, je suggère que tu te prépares déjà, je crois. Au moins, j'ai entendu ta voix ce matin. Ok, c'est bon. Bye. Je dois te raccrocher et dormir. Il est déjà 6h17. Alors, je n'ai rien à faire. Je voyage demain, mais je serai déjà de retour dans 2 jours. Et lorsque je serai de retour, tu devras me traiter de manière particulière. J'imagine déjà comment cela va être. Tu vas juste très bien me traiter. Ah ok, je vais être patiente pour cela. Une attention particulière sous tes mains. J'en sais un peu trop. Je sais d'ailleurs que tu aimes bien. Il y a beaucoup de choses que tu ignores pour moi. D'accord, Amy. Bonjour et passez une bonne journée et bye. Merci de m'avoir réveillée. Ah, bébé, désolé. Oh, voyons, c'est comment, ça va? Ah. Attends, ma série préférée va commencer. Hein? Où est la télécommande? Donne-la moi. Non, c'est la meilleure partie. Moi aussi. Arrête, donne-moi un peu. Bébé, je vais regarder ce que j'ai envie de regarder. Ramène-moi la télécommande, s'il te plaît. Avant de le récupérer, tu me donnes un baiser. Aucune chance, d'accord? Aujourd'hui, tu n'obtiendras absolument rien. Allez, remets-moi, s'il te plaît. Tu n'es pas romantique. Et tu es vraiment distrayante. Ah! Oh, regarde, maintenant je manque à mon programme. Oh, voyons! Aime la fille, arrête de la nier. Et c'est quoi ça comme histoire?
Salut, mon amour. Salut, poupée. Et comment tu vas ce soir? Un peu bien. Tu me manques. Je suis inquiète. Je suis désolée. Tu me manques aussi. Est-ce que je peux te rappeler? Je suis très occupée maintenant. Ah, tu as dit que quand est-ce que tu reviens? Bien, on peut dire que je te rappelle dès que je finis avec toutes mes occupations. Alors? Je t'aime aussi. Tout ira mieux. Dieu merci que ça n'a pas été aussi grave. C'était vraiment sérieux. Et mon corps a l'impression d'avoir été écrasé par un camion. Tu essaies d'être une femme araignée impressionnante, tu vois. Bon boulot. Alors, qu'est-ce que tu as comme nourriture dans cette maison? C'est ça le problème. Je n'avais rien préparé avant l'accident. Qu'est-ce que si je faisais dîner ce soir? Toi, me faire un dîner? Rien du tout, je vais bien. Donc ce que tu essaies de dire, c'est que je ne sais préparer ou quoi? Je n'ai pas dit ça. J'essaie juste de dire que je dois d'abord guérir avant que j'ajoute encore un autre problème. Et c'est un devoir. Non, merci. Fais-moi juste aider l'eau chaude. Je veux le faire. Je veux préparer. Ok, je ne t'étardis vraiment pas. La cuisine est de l'autre côté. Allez, vas-y. Apprête-toi déjà pour un repas délicieux et dégustant. Es-tu sûre? S'il te plaît, ne brûle pas mes choses là-bas. Babe. Chérie, s'il te plaît, tu peux m'aider à préparer le petit déjeuner. Bébé, s'il te plaît, je vais rater un rendez-vous. Mais il est 6 heures. Il y a encore du temps. Après avoir fini ce que j'ai fait ici, question de prendre un bain, s'habiller avec tous ces embouteillages, s'il te plaît, prochainement. S'il te plaît. Le déjeuner est servi. Tu m'as préparé le dîner, mais pas le petit déj. C'est gentil ce que j'ai fait. Je sais juste de faire que les choses aillent du mieux. Je m'en guéris tout ça. Je suis désolée, je pense que je dois partir et... parce que je suis désolée, c'est vraiment de ma faute.
Combien d'états devons-nous continuer comme ça? Écoute-moi, tout ce qui s'est passé, c'était pas de ta faute, ok? C'était un art possible. Mais je pouvais l'éviter. S'il y a quelqu'un qui doit se plaindre, ça doit être moi. Comme je disais, je voulais juste qu'on parle de ce qui s'est passé. J'ai pas besoin qu'on continue à se battre comme ça. Hein? Tu ne m'as pas parlé toute une semaine. Désolé que je n'aie pas pris tes appels. C'est juste que j'essayais de me passer de ces moments. Tu sais quoi? Je te pardonne. Tu dois te pardonner toi-même. Ce qui s'était passé, ce n'était pas de ta faute. C'est quand la dernière fois que tu osais te faire tes cheveux? Ça fait longtemps que je ne vais plus. Hâte-toi voir ce qu'il faut que tu aies te faire arranger. Qui dis-tu que tu choisis un salon et puis que je t'emmène à la minute? Ok. Très bien. Tu sais quoi? J'ai juste besoin d'un endroit. T'as quelque chose à me dire? Je suis contente que tu sois revenue. Oui. Non, attends. Non, c'est très drôle. Quand même que nous rions. À quoi est-ce qu'il pensait? Est-ce que je peux m'occuper d'elle? Elle essaie juste de me montrer ses super pouvoirs. Tu veux dire que l'opportunité lui est donnée où il peut s'éprouver être l'homme de la maison, hein? C'est ça? Probablement parce que nous sommes trop jeunes et nous devons lui accorder le respect, c'est ça? Mais ça, c'est de la folie. Bêtise. On ne peut pas se présenter dans un lieu public et commencer à agir comme si de rien n'était. Ouais. S'il avait moins de la retenue, sa manière de t'approcher, là, ce serait mieux. Exactement. Mais au contraire, il est tellement rapide. On aurait tout vu. Je te dis, c'est un cadeau, il est vraiment aussi. Écoutez, si c'est moi, je disais à Emmy à propos de tout ça, il se moquera de moi. Yo, Mickey. Oui, il m'appelle souvent la générale conductrice de la route. Je ne comprends pas. Hum.
On était juste en train de s'éclater et s'amuser un peu. Mais on est juste meilleurs amis, rien d'autre. Ok? Et il est aussi venu les jours où j'ai connu l'accident et il m'a préparé un dîner. Yomi t'a préparé le dîner? Je jure. Ah ah, babe. Oh, c'était beaucoup d'amour. Les filles, calmez-vous. Comme je l'avais dit, on est juste meilleurs amis. On essaie juste de s'amuser et rien de plus. De meilleurs, meilleurs amis. Yomi! Qu'est-ce qu'il y a? Tu dois arrêter ça! Elle est mariée et tu dois arrêter ça, tu exagères! Qu'est-ce que j'emmène plus loin? Tu lui fais de cadeaux! Tu la fais sortir à tout moment! Tu lui as même préparé le dîner chez toi! Ne vas-tu pas un peu développer l'amour en elle? Surtout si elle n'en a pas encore arrête, eu! Arrête d'agir comme ça! Je sais ce que je fais! Bien sûr que tu sais! Et si alors elle développait l'amour pour toi? Si elle commence vraiment à t'aimer? Penses-tu que tu pourras en finir? Penses-tu que tu pourras résister aux tentations? Donc c'est vraiment ça, au vrai? Oui, c'est vraiment ça. Elle est mariée. Comprends qu'elle arrête est mariée. Elle arrête est mariée. De arrête de me traiter comme ça. Yomi? C'est vrai? Oh, wow. Oh mon Dieu, Amy, c'est vraiment magnifique. Plusieurs statues dans une seule photo. Oh, je dois aussi faire une autre, je t'assure. Vous paraissez avoir un penchant pour ceci. Crois-moi, si seulement mes mains pourraient toucher à la peinture et faire quelques mouvements, je le ferais bien. Vraiment? D'autres tableaux ne valent que de l'esthétique. Et ce n'est pas l'intention de nous ramener aux événements récents. Bien, d'autres naissent avec et d'autres apprennent de le faire pour que ça devienne une passion. Ouais, vous savez, c'est faire ce genre de choses, c'est l'unique crime que tout le monde commet à tout moment et à tout endroit. Waouh, dis-nous vraiment tout sur ça. Waouh. Oh, permettez s'il vous plaît, je dois décrocher un appel. Pas mal, sens-toi à l'aise. Alors, tu sais, mon père fut un peintre. Vraiment? Il a voulu que je le rite, mais je n'étais pas dans ça. Mais mon frère, oui. J'avais vraiment de beaux yeux et surtout d'être artiste. Mais j'ai juste voulu faire mes ambitions. Il y a eu beaucoup de choses que mon père a voulu. Mais je ne les ai pas fait arriver. Il y a beaucoup de choses que tu comptes garder, mais tu dois quand même continuer à avancer. Oh, quelqu'un semble avoir une bonne nouvelle. Un de mes clients vient de passer une bonne commande. Ça a l'air génial. C'est bon, mais n'oublie pas de payer tes taxes. Regardez-moi ce collecteur d'impôts qui ne paye lui-même jamais d'impôts. Ok les gars, avant que vous vous explosiez tous les deux, alors dis-moi. Kelvin, j'ai appris que le meilleur œuvre d'un artiste n'est pas pour les yeux du public. Et toi, la meilleure personne, peux-tu nous montrer tes œuvres? Ok, très bien. Venez avec moi. Ouh, yeah! Wow! Alors, je vous en prie, entrez. Vous allez vraiment aimer cet endroit. Enfin, je pense que vous devez vous sentir très à l'aise et allumer la lampe. Et quand vous le voudrez, d'accord? D'accord, merci. Merci beaucoup. On restera comme ça? Oh mon Dieu! Oh. C'est vraiment magnifique, Amy. Je ne t'ai jamais dit que je mets les portraits. Oui, et c'est comme on le dit, que les meilleures informations ne sont pas données avec de mots, mais plutôt dans les silences et dans les actions. Je t'aime.
Bienvenue, monsieur. Ah oui, comment tu vas? Je vais bien, merci. Prends-moi, c'est bon. Comment s'est passé pour ton voyage? Très bien. Oh, chérie, bébé. Tu es revenue. Oh. Eh bien. Comment tu vas? Comment était ton voyage? Pas mal. C'était bien. J'ai vu tes appels manquer. Désolée de ne pas les avoir pris. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, je ne savais pas que tu venais. J'étais allée. On était quelque part avec les amis. Et moi, j'ai dormi chez elle. Oui, oui, je comprends. Parce que j'étais un peu fatiguée. Mais tu m'as beaucoup manqué. Je suis vraiment désolée. C'est bon. Pourquoi ne pas monter et voir ce que je t'ai apporté? Vraiment? Oui. C'est vraiment gentil de ta part. Laisse-moi les voir. Vraiment. Oui. Dans la chambre? Oui, bien sûr. Okay.
Oh, chérie, merci beaucoup. Tu es trop doux. Tu as aimé? Merci. Oh, je t'en prie, ma chérie. Je t'aime. Merci. Je t'aime beaucoup, tu sais. Alors, et comment était son exposition? C'était très bien, mon amour. Vraiment? Oui, très bien. As-tu acheté une œuvre d'art? Non, je ne l'ai pas acheté. C'est étrange. Qui en a acheté? Oh. Allez-y, les garçons, allez-y, 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 allez-y. C'est qui? Chérie, tu n'avais rien dit à propos de mon anniversaire. Hein? Mon anniversaire. Oh, comment ça a été? Et c'était comment? C'est pas grave. Raconte un peu. C'est... Putain. Ah, mec. Ah, pourquoi tu... C'est pas normal. Vous n'arrivez même pas à trouver... Mais... Pour bien jouer, c'est quoi le problème? Oh. Tu sais, je peux deviner lorsque quelque chose te dérange. Alors, essaye de me dire tout ce qui te dérange, s'il te plaît. Qu'est-ce que c'est? Mon mari est de retour. Est-ce qu'il a... Non. Tout va bien. Je vais bien, c'est juste... Je vais dire quelques mots à ce qui nous concerne. Cela doit stopper. On ne peut plus commencer à se voir à tout moment. Si c'est ce que tu veux. Tu ne peux plus m'envoyer des cadeaux, des lettres et des fleurs. Des messages le matin et le soir. Ça doit vraiment stopper. Amy, regarde-moi, s'il te plaît. Il s'agit de mon mari qu'on parle ici. Alors, devons-nous faire semblant comme si rien ne s'est passé entre nous? Ces sentiments que nous ressentons l'un pour l'autre? Donc, je vais vivre en homme seul de toute ma vie parce que mon cœur ne pourra jamais vivre avec une autre personne. Amy, cela me blesse plus que ça te blesse toi. Je suis une prisonnière de mes vœux. Je suis dans une relation amoureuse qui l'homme n'est pas intentionnel, tandis que mon émotion en a besoin. Et tu sais quoi? Je dois me réveiller tout le matin et prétendre être heureuse. Je le témoigne. Amy, excuse-moi. Je serai pour toujours l'ombre de mon âme. Je suis entré dans un terrain sans payer les tickets. Et maintenant, je suis devenu fan. Alors que je savais que ça ne pouvait marcher, je réalise combien comment je suis fou. J'ai vraiment aimé. Et voilà ce que l'amour m'a fait. My heart.
could offer the impossible. Stab me of time, knowing well there's no place that I could go. I gave my heart totally, that's what you do when you meet that special one. And this question me, now it's killing me. Give me my heart. Look at me. Wo? 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 John, John. Wo? Ah, patron. John. Bon après-midi, monsieur. Comment ça va? Ouais, je vois que tu es en train de prendre plaisir avec ta musique. Oui, je dis que je ne suis avec personne. Bienvenue, monsieur. Ça, c'est pour toi, regarde. Je voudrais que tu aies un très bon portier. Merci, monsieur. Hé, hey, patron, vous voyez pourquoi? Patron, je vous donne deux saluts. Je t'en prie, mon gars, c'est pas important de faire merci ça. Merci, je suis toujours à vos côtés. Que Dieu vous bénisse énormément. Prends soin de toi, d'accord? D'accord, merci, monsieur. C'est bien. Hey, patron, merci énormément. Hey, hey, mon Dieu, merci beaucoup. Merci beaucoup, mon Dieu. Je suis très, très content. Ce ne sont que les conséquences de priver un autre homme de sa joie. De toutes les façons, tu le mérites. Ah.
c'est lui. Est-ce que c'est vous, Tobe Chukwu? Et qui les demande? Je suis l'inspecteur Kraka. Vous êtes soupçonné d'avoir assassiné M. Yoruba. Bien. On vous a vu sur la scène de crime et c'est pourquoi on aimerait que vous veniez avec nous. Espèce de meurtrier! Meurtrier! S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Oh, désolé, désolé. Ah, pardon. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.